Connaissez-vous tous les moyens possibles d'accéder à sa messagerie internet? Avec ou sans application, leur présence est omniprésente. Mais savez-vous ce qui se cache derrière celui-ci? SMTP, POP, IMAP, tout ça n'est que du charabia pour vous. Normal, ce sont des protocoles. Et c'est ce que nous essaierons de vous faire comprendre dans une prochaine vidéo. Mais comment vont-ils pour construire leur base de données? Pour cela, nous verrons donc les principaux modèles de base de données et les différents types de logiciels de conception. Sur un site d'achat en ligne, comment vont-ils pour conserver nos informations personnelles et nos articles enregistrés? Eh bien, dans une prochaine vidéo, nous traiterons ensemble des différents types et structures d'une base de données.